Merci à tous d'être venus et d'avoir répondu présent pour ces cycles de conférences sur la santé sexuelle pour tous. J'ai le plaisir de vous présenter Maître Ingrid Géret, qui est donc avocate, spécialiste des dommages corporels et éminent experte sur les droits humains, qui est donc à la chaire santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO, et le professeur Thierry Troussier, qui est quant à lui responsable de la chaire santé sexuelle et droits humains. Et je vais vous laisser donc la parole pour ces premières conférences, dont la première conférence donc sur la santé sexuelle pour tous. Ces conférences auront lieu avec le soutien de Vivelscare, qui soutient la fondation Paris Diderot. Et donc ces conférences auront lieu jusque juin. Donc cette conférence qui vont vous permettre de découvrir un peu plus sur la santé sexuelle, et donc ce soir, la santé sexuelle, de quel droit? Je laisse la parole à Thierry Troussier. Merci, je pense que Jérôme sera plus simple quand ça s'appelle Thierry. C'est mieux. Et qu'on respecte voilà, nos codes. Donc bonjour à tous, nous vous souhaitons, avec Ingrid Géret, d'avoir une très bonne année, même si vous, souvent sur mes emails, vous avez la bonne année, au moins en vrai ou en réalité, c'est quand même meilleur. Et donc, la bonne année est essentiellement un bonheur à titre personnel. C'est ce que je vous le souhaite. Nous souhaitons, dans un premier temps, remercier. Alors, on va remercier, parce qu'une série de conférences comme ça, ça se fait pas tout seul. En tout cas, ça ne se fait pas forcément sous la responsabilité d'un professeur peut-être, parce que c'est une conférence universitaire, elle fait partie de la formation continue, mais ça demande beaucoup de coordination. Alors la première coordination, c'est bien évidemment Paris Diderot qui nous accueille. Le doyen va passer dans un instant, il est venu tout à l'heure, mais un tout petit peu plus précoce, il va repasser d'ici un quart d'heure, dès qu'il arrive, on s'arrête, on lui laisse la parole, on l'enregistre, et il était déjà très surpris de l'illumination, parce qu'hier c'était les vœux du doyen pour les professeurs, et je peux vous dire qu'on était dans la semi-pénombre. Donc Jérôme, qui assure à la fois en tant que journaliste et à la fois en tant que structure vidéo avec ADWeb, dont est le directeur, merci avec Cyril Deschamps, donc nous vous remercions pour cette large coopération. D'abord remercier l'équipe Paris Diderot, les appariteurs bien évidemment, Joël, qui est l'appariteur qui nous apporte le vin d'Alsace, etc., car il y a un apéritif alsacien, nous sommes à la gare de l'Est, ça ne pouvait pas être autrement, tout à l'heure. Toujours dans la convivialité, vous avez ici Léonard Petro, c'est notre homme que vous connaissez pour ceux qui viennent régulièrement aux conférences internationales santé sexuelle et droits humains sur les projets innovation au ministère de la Santé. C'est lui qui organise, il est à la fois le trésorier de la chaire UNESCO et à la fois il a tout l'aspect convivialité et réception, et c'est lui qui est derrière aussi la suivi des emails, qui vous êtes, comment on peut vous relancer, etc. Donc je remercie particulièrement Léo. Vous avez une personne qui, ces conférences ne pourraient pas être tenues si elle ne coordonnait pas la partie pédagogique. Donc il s'agit de Madame Joëlle Mignot, psychologue. Elle est directrice du pôle dont je suis le responsable à l'Université Paris Diderot. Elle a beaucoup d'autres titres. En tout cas, au titre de ce soir, qui est coordinatrice de 7 conférences successives, dans lesquelles elle conclura dans un matching, comme moi je vais le faire avec Ingrid, avec Laurent Mandelbrot, le professeur Laurent Mandelbrot. Elle conclura naturellement par la santé reproductive, l'aspect psychique dedans, et Laurent Mandelbrot, comme moi médecin, aura la partie, je dirais, médicale. Vous avez compris que ce sont des conférences transdisciplinaires dans lesquelles on match la santé avec une approche médicale, ou santé publique pour moi-même, ou sexologique, avec d'autres disciplines. Et aujourd'hui, on va matcher avec Ingrid Géret, ce qui n'est pas rien. C'est le petit défi qu'on se relève pendant une heure et quart. Bien, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Bien évidemment. La Fondation Paris Diderot, est-ce qu'elle est représentée déjà là ou pas encore? Elle va arriver. Donc il y a les représentants de la Fondation Paris Diderot qui seront présents, qui soutiennent globalement les projets du pôle. Le pôle est soutenu par la Fondation et la Fondation a levé des fonds, a des budgets, donc qui sont de laboratoires ou de fondations de laboratoires. Et ce soir, plus particulièrement, Wilf Elfsker, qui se présentera en fin de débat, après la présentation, après les débats, juste avant l'apéritif,
et la fondation de laboratoire qui soutient la fondation Paris Diderot et qui soutient évidemment cette action. Voilà, ceci pour être tout à fait clair. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans nos remerciements? Évidemment, j'avais oublié l'équipe que tu as rencontrée tout à l'heure de Medicit avec Jocelyne Gervais, qui est la partie, je dirais, avec ADWeb, la partie qui nous aide dans le cadre de e-learning. Hier, le doyen disait que finalement, nous sommes quasiment, on est deux, il y a un MOOC qui existe sur la cancérologie à Paris Diderot, que je vous conseille pour ceux qui sont en santé de le réaliser, il est gratuit, ouvert à tous, il y en a un seul, et puis il y a nos e-learning sur 360 e-learning. Je te laisse la parole. Non, c'est juste qu'il faut que tu mettes le micro un tout petit peu plus proche. Voilà, exactement. Vous ne pas, vous me dites, ceux qui ne m'entendent pas, ceux qui ne nous entendent pas, vous levez la main et on augmentera la parole ou je lèverai le micro. Merci, Jérôme. Il y a toute une partie, pour que ce soit sous YouTube, pour que ce soit filmé, il y a toute une partie technique, essentiellement ADWeb, ouais. Avec Jérôme et Cyril. Je vous remercie encore, mais ce n'est pas rien. Et l'équipe de Paris Diderot pour toute la partie pédagogique des diplômes universitaires. Tant que je me rappelle, dans la salle à côté, vous allez avoir l'annonce des diplômes universitaires pour la rentrée, l'annonce du 15 septembre pour la journée internationale de la chaire santé sexuelle et droits humains, naturellement, au ministère de la Santé. Nous ne savons pas avec quel ministre à ce jour. Et vous retrouverez les différents programmes. Et je vous les présenterai au fur et à mesure. Le prochain programme, c'est Willy Rosenbaum. Il vous a donné clairement sa thématique. Et je matcherai tout à l'heure oralement avec Willy, sans qu'il soit là, pour que le stimuler, puisque lui, il ira écouter pendant son temps de vacances la chaîne YouTube. Exactement. Alors, chaîne YouTube où il y aura effectivement donc les 7 conférences qui seront retransmises. Alors justement, Thierry, quels sont les objectifs de l'ensemble de ces conférences? Pardon. De ces conférences sur la santé sexuelle, les objectifs du coup, Thierry, de ces conférences sur la santé sexuelle? Ces conférences, c'est qu'on en ait une nouvelle vision à titre personnel et à titre professionnel. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux objectifs du millénaire 2000-2015, parce que j'avais une obligation dans la création de la chaire UNESCO avec Marc Ganem. Ce n'était pas simple, parce qu'on a commencé à travailler avec Marc en 2003, on a eu cette chaire en 2007, elle a été signée en 2010, et Marc est décédé le 12 juin 2011. Ce n'était pas rien de porter les objectifs du millénium, car c'est inscrit dans notre convention UNESCO Paris Diderot. Quand sont apparus le 25 septembre 2015, paru, avec un long processus, les objectifs du développement durable que je vais vous présenter en articulation avec la santé sexuelle, nous nous sommes dit que, moi j'ai mis du temps pour comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien de santé publique? Qu'est-ce que ça veut dire même dans mon quotidien privé? Et ça a complètement modifié ma vision. Et ce soir, ce que nous souhaitons avec Ingrid, c'est vous faire partager cette modification de la vision. On ne va pas changer nos comportements ce soir. On va réfléchir à une autre vision que ce que nous avons eu l'habitude d'avoir. Et c'est ça l'intérêt de ces différentes conférences. Vous les découvrirez, vous les avez déjà vues sur le site. Toutes les personnes vont intervenir en fonction des objectifs du développement durable, que je vais développer tout à l'heure, et vous donneront leur vision. Par exemple, le prochain, Willy Rosenbaum, bon, c'est un homme que je connais dès l'âge de 28 ans, quand arrive 1985, a eu lieu à La Réunion, on habite ensemble, on travaille ensemble sur le VIH, sur le sida, sur cette nouveauté. On ne connaît rien et on apprend tout des patients. On apprend tout des personnes. On apprend tout de ces personnes qui sont plus expertes que nous dans ce domaine. Et c'est ça la révolution qu'on souhaite partager avec vous. Et c'est cette révolution plutôt de type transversal, et vous allez comprendre l'intérêt de la transversalité, de la transculturalité, de la transdisciplinarité qui fait toute la richesse de la santé sexuelle, qui n'est ni du sexe, ni de la sexualité. Alors, santé sexuelle, de quel droit ce soir? De quoi parle-t-on, Thierry? On va passer le...
déjà. Un, aucun conflit d'intérêt, je ne peux pas en avoir, étant tous les deux des coordonnateurs de projets et de programmes internationaux et de recherche. Qu'est-ce que la santé sexuelle au regard des objectifs ? Voilà. Alors, la première partie, c'est la santé. Ben, vous connaissez tous la définition de la santé. Elle a trois dimensions. Seulement trois dimensions. Physique, sociale et mentale. Vous voyez ? Vous avez, faites faire attention à ça. 46, cette définition n'a jamais changé. Immuable. Et donc, déjà, on sait que quand on a une approche de santé, il faut avoir ces trois dimensions. Mais à l'époque, elle était centrée sur l'individu. On vous dit, mais pas seulement les maladies et les pathologies. Donc déjà, à l'époque, on avait l'OMS, ou les groupes qui ont réfléchi, avaient quand même réfléchi en disant, si on s'attaque simplement à la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le sida viendra bien plus tard, c'est insuffisant. Donc, je vous demande de vous rappeler, physique, mentale, sociale, vous verrez, par rapport à la santé sexuelle, il va y avoir une différence en 1974 et en 2006 ensuite. Ça, c'est la première partie. La sexualité, puisqu'on va parler de santé sexuelle, après avoir parlé de la santé, c'est la sexualité est un aspect central de l'être humain. Il nous appartient à tous. Globalement, moi, ce que j'ai retenu, c'est que la sexualité est universelle. C'est une intervention que j'ai faite à l'UNESCO il y a de ça 2 ans. Mais son expression et sa représentation est individuelle. Donc, il n'y a pas On ne peut pas éduquer sur la santé. C'est une éducation à la santé, mais pas une éducation à la santé, à la sexualité, même pas une éducation de la sexualité. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'elle nous appartient à chacun, elle est privée. Je vais y revenir plusieurs fois. Et donc, à partir de là, c'est comment on peut parler à des pays difficiles. Nous voyageons beaucoup avec Ingrid, puisque c'est ma co-chairman le plus souvent, dans nos communications, puisque nous matchons les droits humains et la sexualité, c'est ce qui fait, je dirais, par rapport à la chaire UNESCO, son entité et sa spécificité. C'est parce que cette sexualité, on peut faire ce que l'on veut, mais à condition de respecter les droits humains. C'est ce que nous allons partager ensemble. Et les droits humains, ce n'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de notre professionnel. En tant que professionnel, c'est quelque chose qui est à la fois aussi extrêmement privatif. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la sexualité qui est vécue? Oui. Alors, dans les définitions OMS, il y a des choses incroyables qui ont expliqué aussi le fait que la définition ne soit qu'une définition de travail. La sexualité est vécue et exprimée dans les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, le rôle et les relations. Vous avez vu? On n'a pas parlé d'amour, on n'a pas parlé de plaisir. On n'a pas parlé d'orgasme. Ça, c'est des mots qui sont extrêmement personnels, extrêmement culturels, qui correspondent à nos propres représentations. Et ce n'est pas un langage possible, ni à un niveau professionnel, ni à un niveau international. C'est-à-dire, si on veut avoir un dialogue respectueux de chacun d'entre nous, eh bien, c'est des termes, ça, qui nous appartiennent. Et même l'érotisme, je ne sais pas si je l'ai nommé, même l'érotisme, je me rappelle une réunion que j'avais eue à Annecy avec une collègue russe qui me dit « mais c'est pornographique l'érotisme ». Donc même la notion d'érotisme n'est pas forcément comprise, ubiquitaire dans le monde entier. Et ça, il faut comprendre. Alors la chaire UNESCO, je vous rappelle, est une chaire qui est mondiale, qui est sur le sol français, on parle français, on parle aussi anglais, enfin, comme on le peut, et on a une conférence à peu près équivalente à Nice au niveau international dans quelques jours. C'est une chaire mondiale, et donc nous avons le respect de toutes les cultures. Et ça, c'est extrêmement important, donc non seulement le respect de la diversité de nos sexualités, mais le respect de l'expression de la diversité de nos différentes sexualités. C'est un point important, sexualité influencée par des interactions, des facteurs, on en parlera tout à l'heure. Après, voilà. Alors, d'où naît ce terme, ce truc? C'est horrible, j'ai entendu ça il y a peu de temps. D'où naît ce truc de la santé sexuelle par rapport, on m'a dit c'est un truc gouvernemental. Alors, oui, international.
1974, le premier groupe qui s'est réuni. Rien n'est sorti, c'est de la littérature grise à l'OMS. 1974, 1994, ils sont réunis, d'autres. Littérature grise, rien n'est publié. 2002, Marc Ganem fait partie du groupe à l'OMS comme expert, comme maintenant c'est moi qui suis l'expert dans ce domaine-là et du groupe que je coordonne avec l'OMS. Donc 2002, ils vont réfléchir, ils vont proposer une définition qui est marquée ici et qui ne va être publiée qu'en 2006. Pour quelle raison? Eh bien parce que, alors d'abord ici, et puis je vais laisser la parole à notre doyen qui vient d'arriver, vous avez vu qu'il y a une dimension supérieure par rapport à la santé 1946. C'est la dimension émotionnelle. Nous verrons l'importance de la dimension émotionnelle. L'émotionnel, c'est pas l'amour, c'est pas la haine, c'est tout ce que vous voulez. C'est le relationnel. Et nous verrons l'importance que ça a dans la mise en pratique de cet aspect-là. Le reste correspond, vous avez vu, à la définition de la santé 1946. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique une approche positive, respectueuse de l'être humain, la possibilité d'avoir des expériences agréables et sécuritaires, sans coercition, sans discrimination, sans violence. Regardez, il n'y a jamais les termes qui vont fâcher les différents financeurs. Vous comprenez? Et je pense que même en voyageant tel que nous faisons avec Ingrid, nous ne pouvons pas, nous intervenions au Vietnam il y a de ça 4 ans, on ne peut pas intervenir sur des termes qui culturellement ne sont pas acceptés. Et donc, il faut s'adapter aux différentes cultures dans lesquelles on va. Et pour que la santé sexuelle soit atteinte et maintenue, eh bien les droits sexuels, ça va être le rôle de ma co-chair aujourd'hui qui va nous stimuler, eh bien ils doivent être respectés, protégés, okay, promus, mais surtout réalisés, et c'est ce que nous verrons avec... Alors je vais laisser la parole à notre doyen, que je vous remercie, professeur Rusniewski, qui nous a accueillis hier soir avec tous les autres professeurs. Merci. Merci Thierry. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps. Je voudrais vous dire essentiellement deux choses, ou trois. La première, c'est bienvenue à la faculté de médecine Denis Diderot. Vous êtes les bienvenus ici et je sais que le cycle de conférences auquel vous allez assister va être absolument passionnant. La deuxième chose, c'est vous dire la fierté de cette UFR, de cette faculté de médecine, d'accueillir ce pôle de santé sexuelle, de sexologie et de droits humains, co-dirigé par Joël Mignot, Thierry Troussier. La fierté aussi, je le dis, d'avoir pu reconnaître cela de manière officielle en nommant assez récemment un professeur dans cette faculté. Thierry, encore bravo, parce que je crois que c'est vraiment extrêmement original. Et je pense que l'UFR Diderot peut être fier, s'enorgueillir de posséder finalement ce seul pôle universitaire. Je n'en connais national. Pas d'autres. National. Donc je peux même étendre mon propos. Et donc, je crois que ça montre assez bien l'attachement de cette faculté à cette dimension qui est trop souvent sous-estimée dans l'enseignement, y compris en formation initiale. Avec nos étudiants, et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ce manque. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est assez banal, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher quand même, il me reste quelques jours pour le faire, c'est de vous souhaiter une excellente année personnelle et puis aussi dans le cadre de cet enseignement qui, je le sais, sera très riche et vous apprendra beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Alors, Thierry, on va continuer donc sur cette conférence. Et concrètement, cette définition de la santé sexuelle, ça change quoi concrètement? Est-ce qu'on peut avoir une explication sur les suites qui sont données suite à cette nouvelle définition? Le graphe est illisible. Le graphe est illisible. Donc, il faudra mieux le regarder, le télécharger pour le lire. Je le conçois, mais il a l'intérêt de nous montrer la dynamique. Donc c'est un graphe qui n'est pas de nous, parce que vous verrez le graphe que nous avons créé, qui est un graphe qui sera lisible, que vous pourrez télécharger et que vous pourrez vous servir au quotidien dans vos vies professionnelles. C'est ce que l'on va annoncer tout à l'heure dans un petit instant. Alors, c'est l'OMS qui a créé ce graphe à partir des objectifs du développement durable des Nations Unies, qui a été voté le 25 septembre 2015, après une évaluation en 2014 et de nombreux groupes de travail en 2015.
dans lequel, sincèrement, la chaire UNESCO n'a pas participé. Et je ne sais pas s'il y a des personnes représentant l'IPPF, c'est-à-dire le mouvement du planning familial français, présents. Eux ont été extrêmement présents. Ils sont déjà installés à un autre niveau. C'est des organismes internationaux. Et grâce à l'IPPF, eh bien, vous allez voir comment la santé reproductive et la santé sexuelle est partie intégrante de ce graphe. Donc, l'OMS a décrit... Donc, quand on rentre à l'OMS, c'est un grand poster dont j'espère qu'on aura prochainement... Ça va arriver très vite. Les mêmes posters pour la santé sexuelle, avec un logo qu'il faut encore créer, qui n'est pas encore créé. Mais toutes les idées sur les logos santé sexuelle sont bien accueillies. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Vous avez nos emails. La santé se décline fonction, comme vous le voyez, de 17 objectifs que nous allons décliner en fonction de la santé sexuelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif d'atteindre, de permettre à tous de vivre une bonne santé et promouvoir le bien-être de tous les âges, est un objectif en lui-même qui n'existait pas dans les objectifs du Millennium 2000-2015, dans lequel, quand la chaire UNESCO devait faire son... baser sa motivation d'exister, eh bien, il fallait chercher dans des cibles. Par contre, vous avez des cibles qui sont des objectifs ici que vous retrouverez et des cibles qui correspondent à la santé. Et en fait, on s'aperçoit que pour atteindre une cible, par exemple ici, on va le voir tout à l'heure, pour atteindre cette cible, eh bien, non seulement la santé est indispensable, mais quand on atteint cette cible, ça améliore la santé. Et donc, je vais vous donner qu'un seul exemple très rapide qui va être le premier objectif, c'est la pauvreté. Bien évidemment, vous connaissez tous, pour ceux qui sont professionnels de santé, éducateurs, etc., que les personnes en grande précarité, les personnes précaires, les personnes pauvres, eh bien, ont des besoins primaires de se nourrir, de se loger, de se protéger. Ils sont bien loin d'aller sur une cible d'un bien-être en santé, encore moins un bien-être en santé sexuelle. Donc on comprend bien que parler de santé ou de santé sexuelle, d'abord, il faut s'intéresser aux besoins primaires. Vous connaissez ça pour certains, la pyramide de Maslow. Dès le départ, et il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas avoir des objectifs qui sont démesurés. Si on donne un deuxième exemple sur la faim et la sécurité alimentaire. Par exemple, la faim, la sécurité alimentaire, quand on n'a pas les moyens de se nourrir, par exemple, ou d'avoir une mauvaise nutrition, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, notre corps sert, notre sexualité sert aussi à obtenir des échanges et pouvoir se nourrir. Et donc, à ce moment-là, on est soumis à l'offre et à la demande, au service, une forme de prostitution. Et vous voyez que la santé sexuelle ne peut pas être respectée tel qu'on va décrire trois objectifs que je ne vous dis pas tout de suite, il faut avoir un peu de teasing, trois seuls objectifs à obtenir en santé sexuelle que nous verrons. Eh bien, quand on n'a pas la possibilité de se nourrir, Jérôme, c'est difficile. Et nous verrons tout à l'heure que même le stock de poissons diversifié dans le monde, qui fait partie d'un objectif spécifique, si on n'a pas une diversification de l'offre de nourriture, on a des problèmes tout simplement de santé. Et on a des problèmes de santé sexuelle aussi. Alors comment est-ce que du coup on peut promouvoir une vie saine pour tout le monde et un bien-être pour tous, Thierry? C'est une vraie question, parce que face à tout ça, si je prends par exemple l'objectif numéro 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous. Bon, on va commencer. Tu veux bien celui-là, tu nous l'as dit. Celui-là, on en a parlé. Le numéro 2, on en a aussi parlé. Le numéro 2, on en a parlé, la fin. Okay. C'est ça. Vous étiez au numéro 3, c'est Jérôme, ça. Bravo. Donc, le numéro 3, lui, va être décliné pendant ces 7 conférences. Bien. Alors, diminuer le taux de mortalité maternelle. Chez nous, les éclampsies existent. Chez nous, les CIVD existent encore. Or, elles peuvent se prévenir. 50% des mortalités maternelles en France peuvent être prévenus. Et donc, on a encore des efforts à faire, mais on est quand même bien classé par rapport à d'autres pays du monde. Éliminer les décès évitables des nouveau-nés, ils existent encore. Il y a des efforts encore à faire. Et il y a aussi 50% de décès qui peuvent être évitables. Mettre fin aux épidémies du VIH-Sida et des IST, je vais laisser Willy, à la prochaine conférence, vous raconter les objectifs 2020-2030. Comment la région Île-de-France... D'abord, Paris, la région Île-de-France et les villes OMS s'engagent par rapport à ces données.
et comment ça demande la participation de chacun d'entre nous. Promouvoir la santé mentale et le bien-être sexuel, un lien très important. Rappelez-vous qu'il y a une dimension mentale dans la santé sexuelle. Antoine Bioy, professeur de psycho à Dijon, je pense que c'est le fond de son intervention. Il faudra regarder quel jour il intervient. Prévenir les abus des substances psychoactives. Alors, dans les substances psychoactives et de l'alcool, c'est l'OMS qui a joué de l'alcool. Nous, en France, on définit dans les substances psychoactives l'alcool. Est inclus dedans. L'alcool, le tabac, les produits licites aussi, comme des médicaments, et des produits illicites, bien évidemment. Je ne suis pas sûr que cette thématique-là sera abordée cette année, mais Joël Mignot nous prépare une seconde série de conférences, et donc c'est elle qui va cogiter cette créativité, et c'est son rôle. Merci Joël. Assurer l'accès pour tous aux services des soins de santé sexuelle procréative à l'information. Alors je vous conseille de ne pas rater cette intervention. C'est Cynthia Fleury, la philosophe, qui a une chaire à l'Hôtel Dieu d'éthique sur les soins exceptionnels. Incontrôlable, c'est pas sûr qu'elle ait des diaporamas. C'est pas sûr qu'elle sketch, ça va être difficile. C'est peut-être Joël qui va manager. On ne sait pas bien comment ça va se passer. Mais... ça, c'est Cynthia Fleury. Faire bénéficier à chacun de la couverture sanitaire universelle, incluant le respect et la confidentialité. J'en parlerai. C'est la partie éthique. Et nous aurons cette partie-là sur les... J'en parlerai. Tu en parleras. J'en parlerai. Tout à l'heure. C'est toi. Oui. D'accord. Donc on peut... Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jérôme? On peut continuer. Sur les objectifs qui s'articulent avec la santé sexuelle, Thierry, est-ce qu'il existe d'autres objectifs en dehors, effectivement, de cela? Eh bien, je continue parce qu'on va laisser la parole ensuite à Ingrid sur certains objectifs. Il y a les objectifs 4. Tu l'as mis, merci. Assurer l'accès et l'éducation pour tous, sur un aspect d'égalité, ne laisser aucune personne à l'extérieur. Je repense à la grande précarité. Je repense aux personnes qui vivent dans la rue. Je repense aux camps de migrants. Ces personnes, moi je travaille avec mes collègues de la Fondation Genevoise d'éducation internationale. Ils interviennent sur les camps de migrants grecs qui sont en transhumance sur la santé sexuelle. Parce qu'il faut préparer à des chocs culturels par rapport à ses propres représentations, etc. Donc en fait, c'est ne laisser personne de côté, ce qui veut dire que ça demande une mobilisation de chacun d'entre nous dans différents domaines. Voilà, c'est le résumé, excepté que dedans, on vous dit tout au long de la vie. Donc bienvenue ceux qui rentrent dans le troisième ou quatrième âge, qui arrive bientôt mon cas. Éliminer les inégalités d'accès de sexe. Bon, chez nous, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, mais je peux vous dire que dans de nombreux pays où on va... Avec Ingrid, c'est le cas. De genre, masculin et féminin, on en joue tous les deux assez bien, mais ce n'est pas sûr que tout le monde en joue facilement. L'orientation sexuelle, alors c'est très, très, très intéressant, parce qu'hier j'étais avec la DGESCO, ils ont des parcours d'orientation, mais c'est d'orientation professionnelle. Et ils sont bien conscients qu'il y a une différence aussi dans le genre, fille, garçon. Donc, en fait, ils ont intégré le parcours d'orientation professionnelle et le parcours d'orientation sexuelle, de genre, etc. Et ça, c'est vraiment une avancée énorme de la part de l'éducation nationale. Assurer l'égalité d'accès de ces personnes vulnérables, donc j'en ai parlé. Assurer les formations des professionnels, ce sera certainement un des grands enjeux de demain. Et faire en sorte que tous les jeunes acquièrent des compétences. Et là, c'est le parcours citoyen pour ceux qui sont... au courant en France avec l'éducation nationale. Il y a plusieurs parcours, il y en a 4 qui sont officiellement par décret et qui sont déclinés. D'avant, vous avez le parcours citoyen dans lequel s'intègre justement les droits humains et le respect des diversités. Ensuite, le 5, c'est Ingrid. Le 6, je vais aller assez rapidement. Le 6, c'est garantir à tous l'eau et l'assainissement. Qu'est-ce que ça a à voir? L'infertilité, tout simplement. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais quand on a des problèmes qui sont toxiques dans l'eau et que l'on n'a pas... Il y a presque un tiers de la population dans le monde qui n'a pas accès à une eau potable.
et qui ont des conséquences, des risques de conséquences, en dehors de mortalité, en tout cas d'infertilité. Le 7, garantir l'accès à tous des services d'énergie. Chez nous, en France, vous avez les DOM. Les DOM, ils sont péritropicales. Globalement, c'est 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Et en fonction de l'hiver ou d'été, c'est 14 heures de nuit ou c'est 14 heures de jour. Ça veut dire quoi ? Que dans la case, le plus précaire, quand ils n'ont pas l'électricité, comment voulez-vous que les enfants puissent travailler en dehors de l'école, avoir une éducation, accéder ? Eh bien, même chez nous, l'accès à l'énergie a un coût acceptable et est très important et a forcément des conséquences sur la santé sexuelle. L'objectif 8, c'est promouvoir une croissance économique soutenue, le plein emploi, un travail pour tous. On comprend bien que si on travaille, on évitera de vendre son corps ou de permettre à son corps, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, d'avoir des moyens. La suite. Le 9, bâtir une infrastructure résiliente qui profite à tous et encourager l'innovation. Je vais le dire tout à l'heure. La sexualité, ça fait peur à tout le monde, l'avenir. Pour tout ce que l'on va voir, pour tout ce que cela pose comme questions qui ne sont pas nous, ça ne me ressemble pas à la sexualité de l'autre. Et donc ça fait peur. Donc on a besoin absolument de recherche et d'innovation pour dire que ce que l'on met en place est réellement efficace et pouvoir avoir des soutiens du public, voire du privé, j'y viendrai tout à l'heure. C'est une obligation, mais il faut prouver que c'est efficace. Je vais vous donner un exemple. L'histoire du préservatif qui sort et dont on permet la publicité en 1989 grâce à Michel Barzac. Merci. Je te remercie de ma mémoire aussi de temps en temps. Depuis de nombreuses années dans nos congrès qu'on partage. Qu'est-ce qu'on nous a opposé ? Qu'est-ce qu'on lui a opposé à cette ministre en 88 ? Comme l'IVG avec Madame Veil. Des peurs incroyables en disant « Mais vous allez dévoyer nos enfants. Vous allez avancer la sexualité de nos enfants. » Eh bien, c'est démontré. On n'a jamais avancé la sexualité de nos enfants parce qu'on a parlé de préservatifs. Pas plus qu'on a eu plus d'IVG officiel en 1975 qu'en 2006. Ce sont toujours le même taux d'IVG. Donc des peurs comme ça, qui sont des rumeurs, qui appartiennent à la population. Pour les professionnels ici, dont je vois certaines têtes que je connais bien, avec lesquelles je travaille par ailleurs, eh bien, c'est extrêmement important de se rappeler la santé sexuelle. Je terminerai là-dessus. Ça fait peur. Parce que ça lève des tabous, des peurs dans lesquelles on se dit, mais quel avenir on laisse à nos enfants ? Nous, on est là pour passer un message. On est des passeurs. Ce n'est pas nous qui allons vivre la vie de demain. Thierry, justement, alors comment intervient l'environnement dans la santé sexuelle ? Parce que pour le coup, oui. Certaines personnes peuvent ne pas forcément voir. Alors, objectif numéro 11, faire en sorte que les villes et les communautés soient ouvertes à tous et à toutes, et sûres surtout. Eh bien, hier, j'étais avec les villes OMS, cité OMS. C'est extraordinaire les avancées qu'ils ont fait depuis 2015 grâce aux objectifs du développement durable. C'est l'investissement de la ville, de la cité, dans le périscolaire. Je vous rappelle, ils sont plutôt dans le périscolaire, plutôt dans la partie des enfants, des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Eh bien, ils interviennent de façon transversale à tous les niveaux. Le logement, par exemple. Les villes sont responsables des logements sociaux. Ben, quand on a des logements sociaux dans lesquels on habite de façon familiale... Ils essayent. Être responsable des logements sociaux, ce n'est pas toujours facile partout. Oui, ça, c'est une critique auquel je ne te suivrai pas. Non, mais... Bien, donc, je vais parler des logements sociaux. Je vais vous parler de yourtes pour des personnes qui sont en migration d'un pays à un autre. Si on n'a pas un espace d'intimité, comment voulez-vous que la sexualité soit respectée ? Comment voulez-vous que le couple soit respecté ? Comment voulez-vous que l'entité familiale puisse exister ? Et donc, quand la belle-maman ou ses parents habitent là, juste à côté de la chambre, avec une paroi extrêmement fine dans laquelle il n'y a aucun... Tous les sons passent. Comment voulez-vous que ce jeune couple, qui abrite pour des problèmes de précarité les parents, puisse avoir une sexualité qui soit
on verra tout à l'heure, autonome, épanoui, etc. Donc vous comprenez bien que cet environnement déjà proximal, cet environnement de la cité dans lequel on vit, est extrêmement important. La 12, parce qu'il y en a jusqu'à 15 des environnements. Le mode de consommation et de production, je vais aller rapidement, c'est la gestion écologique et rationnelle des produits chimiques. Tout ça, à mon avis, ça tombe dans le sens aujourd'hui, pas forcément prouvé, de la lutte contre l'infertilité, pas forcément prouvé. Faire en sorte que toutes les personnes aient une information, une connaissance nécessaire pour le développement durable. En fait, lifestyle, le style de vie, ça veut dire quoi quand on va dans des pays dans lesquels on ne peut pas parler de sexualité? Là, ça veut dire simplement parler de sexualité. Le style de vie, c'est notre sexualité intime, c'est comment on se nourrit. Et bien, tout à l'heure, quand je vous disais que la sexualité est universelle, son expression et sa représentation ne l'est pas, est individuelle, la nutrition, elle est universelle, on est obligé de tous se nourrir. Mais alors, la façon de se nourrir, elle nous appartient à chacun. Et là, les diététiciennes ont bien compris qu'elles ont un rôle individuel. Ensuite, objectif 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique. Bah, ça vous paraît, hein, dire qu'est-ce que ça a à voir avec la santé sexuelle. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir, les vagues de chaleur de 2005? Qu'est-ce que ça a à voir, les grands froids? Qu'est-ce que ça a à voir, la mort? Qu'est-ce que ça a à voir quand on ne supporte, quand on a un taux de mortalité importante? Bien simplement que dans les soins de santé primaire, basiques, quand ils ne sont pas respectés, bien déjà la santé n'est pas respectée, la santé sexuelle, on n'en parle plus, la santé reproductive non plus. 14, merci Ingrid. Rétablir les stocks de poissons, j'en ai parlé tout à l'heure sur la nutrition diversifiée, on peut passer. 15, intégrer la protection de l'écosystème globalement. Là aussi, c'est une pensée globale. Certains d'entre vous sont peut-être allés à Haïti. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, toujours dans les missions humanitaires. Quand l'avion arrive, vous avez une déforestation du pays haïtien et vous avez à côté la République dominicaine avec tous les bois, la verdure, etc. Et quand on passe en avion, on voit la frontière entre la déforestation et les bois. Eh bien, j'ai fait des missions aussi au pays d'à côté. La santé est différente, la santé sexuelle est différente. Le niveau de séropositivité et de sida est totalement différent. Et ça a un impact direct, la déforestation, sur la précarité, sur la vente de son corps pour survivre, alors que juste à côté, à quelques kilomètres, eh bien on peut vivre différemment et avoir d'autres comportements. Voilà ce que l'OMS nous tire comme attention en disant il ne faut pas croire que c'est simplement la santé qui compte individuelle. Donc vous voyez, c'est une vision différente. Moi j'ai presque fini parce que l'objectif 16, c'est Ingrid qui va en parler. Et donc, il nous reste quoi, Jérôme? Et après, on passe à l'objectif 17, hein, et à se demander surtout qui peut mettre en œuvre ces politiques de santé. Dernier objectif. Alors, c'est un objectif de partenariat. Bon, vous allez me dire, ça existe déjà. C'est pas vrai. Ça a commencé quand même depuis pas mal de temps. Mais partenariat de qui vis-à-vis de qui? Eh bien, d'abord, comme vous le voyez, du public et du privé. C'est pas rien. Cette conférence est vraiment typiquement le modèle d'un partenariat entre la sphère publique, l'université, une ONG, une fondation, et le privé qui soutient des actions. Et aujourd'hui, ceci, c'est indispensable, tant au temps des associations, mais il faut structurer, on ne peut pas être forcément en direct avec le privé, mais il y a des systèmes pour y arriver. Donc je vous encourage tous, non seulement à attendre des subventions de l'État, qui sont malheureusement de moins en moins fortes pour tout le monde. Nous, on n'est absolument pas soutenus, sauf dans le cadre de l'université, la preuve, on vous accueille. Et donc, il faut trouver aussi des fonds pour pouvoir mener des projets. Le partenariat, et c'est signé dans la convention UNESCO et Paris Diderot, on a l'obligation d'un transfert de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, c'est écrit avec ces trois mots, avec le Sud, et il est marqué dans la Convention, pour favoriser la transmission Sud-Sud. Donc l'objectif n'est pas d'être là en sachant, mais d'être là en accompagnant pour que
le Sud puisse aussi se transférer ce domaine. Et c'est les deux actions que nous avons menées très rapidement dans la chaire qui a permis aujourd'hui, notamment en santé reproductive et sexuelle à Dakar, je pense, d'être extrêmement prolifique. Et il suffit de faire googliser santé sexuelle, vous verrez que presque 30% est pris par Dakar. Encourager pour vous voir, donc les partenaires, j'en ai parlé. Et pour nous, ça veut dire quoi? Eh bien, pour nous, c'est choisir, c'est avoir des actions avec différents partenaires. Et pour nous, dans la vie privée, eh bien, je vais le développer dans le quotidien. Est-ce que c'est simplement être soit avec soi-même, soit avec son ou sa partenaire, ou c'est peut-être être soi, soit avec son ou sa partenaire quand on en a une ou un, et avec quoi d'autre? C'est ce que je développerai tout à l'heure dans comment ça s'applique au quotidien. Alors, pour finir, ce sera aussi beaucoup plus lisible. Elle est en construction, c'est ça? Elle est quasi finalisée. Justement, on voit ce soir la première roue, je ne sais pas comment tu appelles. On peut appeler ça un graphe, une roue. Une graphe, hein, une roue. Effectivement, des objectifs de la santé sexuelle dans les objectifs du développement durable 2030. Concrètement, comment ça va s'inscrire? Les actions, des structures, des pouvoirs publics au quotidien, dedans, alors, quand on fait une action. Cette roue, c'est la première fois qu'on la présente. Donc c'est ici qu'on la présente. Quand elle sera finalisée, peut-être avec des phrases moins longues que ce qui est marqué dans les cibles que je vous ai présentées tout à l'heure, plutôt qu'avec des mots-clés, elle sera téléchargeable gratuitement. Comme les Nations Unies, vous pouvez télécharger les objectifs du développement durable. Elle sera à la disposition de nous tous pour s'en servir comme base, soit de réflexion, soit d'intervention, soit pour peut-être se poser des questions, l'enrichir, et pourquoi pas nous renvoyer en disant « mais vous n'avez peut-être pas pensé à ça, et ça, ce sera intéressant. » Moi, je vois bien une roue qui peut être dynamique, une roue, ça roule. Ce n'est pas forcément quelque chose de stable. C'est pour ça que j'avais bien aimé que l'on appelle ça la roue. Alors, et puis dans une ici, action, c'est tout ce qu'on a présenté. Hein. Dans une action, tout n'est pas forcément... on n'est pas obligé de tout faire, alors, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison, bien évidemment. J'ai eu peur quand j'ai vu la roue. Je me suis dit, oh là là, les actions, ça va être compliqué. Oui, non, mais c'est la même chose, Jérôme, de... On ne peut pas exprimer toutes les dimensions des objectifs de développement durable simultanément. On ne peut pas y penser simultanément. J'y reviendrai tout à l'heure dans le quotidien, après avoir laissé parler Ingrid, c'est son tour quand même, parce qu'elle va nous dire quand même d'abord ce qu'on n'a pas parlé et puis quel lien ça a. Les objectifs du développement durable, moi j'ai mis du temps pour que ce soit une grille de travail et de créativité pour moi-même, pour la chaire UNESCO, et vous connaissez mes fonctions au ministère, pour les créativités, des stratégies que j'ai menées en place. Il n'y a pas une stratégie dans laquelle je n'ai pas analysé les objectifs du développement durable ou les objectifs du millénaire, qui étaient un peu plus difficiles à appliquer avant 2015. Il n'y a pas une stratégie réfléchie qui n'a pas vu, mais est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose quelque part qui est en lien et qui risque de faire capoter quelque chose? Pourquoi? Parce que les indicateurs, ils sont améliorés avec les objectifs du millénaire, avec les actions que nous avons menées. Mais nous sommes dans un plafond de verre. Les épidémies du VIH persistent. Les grossesses non prévues sont toujours au même niveau. Les IVG sont toujours au même niveau. Les violences faites aux femmes sont toujours au même niveau. Le risque de mutilation sexuelle par an, 6 000, toujours au même niveau. Nous avons atteint un seuil dans lequel on a l'impression que l'approche ciblée par pathologie ne peut pas aller plus loin. Donc l'objectif, c'est décloisonner, d'arrêter de penser qu'on a tous la clé et qu'on peut y arriver tout seul ou dans son institution pour travailler vraiment en partenariat. Et ça, c'est le message que et c'est la vision qui modifie et que je souhaiterais modifier ce soir. Merci beaucoup Thierry. Ingrid, vous êtes spécialiste, vous êtes avocate et spécialiste des droits humains. Et la première question qu'on se pose, existe-t-il un droit à la santé sexuelle? C'est une vraie question. Parce que pour le coup, effectivement, mélanger à la fois la santé sexuelle et les droits humains, c'est quand même quelque chose d'assez, à première vue, atypique et au final, indispensable au sein de la chaire de l'UNESCO.
Oui, tout à fait, Jérôme. Vous l'avez compris, la chaire UNESCO, de son nom, santé sexuelle et droits humains, lie les deux disciplines. Et donc ce soir, je vais essayer de vous expliquer quel peut être ce lien entre la santé sexuelle et le droit. Et plus précisément, j'avais envie de voir avec vous si on pouvait dire qu'il existe un droit à la santé sexuelle. Alors en fait, on dit bien souvent qu'en matière de soins de santé, que le besoin serait constitutif d'un droit. Alors pour comprendre de quoi l'on parle, il faut commencer par définir les termes. Alors le droit, qu'est-ce que c'est ? Le droit, c'est une faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose, de prétendre, de l'exiger. Donc un prétendu droit à la santé sexuelle n'est qu'un exemple d'une catégorie plus vaste, connue sous le nom de droits sociaux ou droits créances. Eh bien, selon cette acception, tout individu est alors en droit de réclamer, sinon d'exiger, une action effective de l'État ou de la société pour satisfaire ses besoins, comme le droit au logement, par exemple. Ainsi, si on l'applique à la santé sexuelle, eh bien, l'existence d'un droit à la santé sexuelle reviendrait à exiger de l'État d'être en bonne santé sexuelle. Alors justement, on pourrait se demander comment est-ce qu'on fait pour exiger de l'État d'être en bonne santé sexuelle ou en bonne santé même tout court, Ingrid ? Tout à fait. Le droit d'être en bonne santé et d'être en bonne santé sexuelle, eh bien, supposerait que les États doivent assurer une bonne santé à l'ensemble de la population. Ce serait alors une obligation de résultat qu'on exigerait de l'État en la matière. Cette hypothèse, vous l'avez compris, eh bien, elle n'est pas concevable dans la mesure où la bonne santé ou la bonne santé sexuelle relève notamment de facteurs biologiques qui sont indépendants de notre volonté, des États ou des personnes. Dès lors, alors il convient plutôt de parler d'un droit aux soins de santé sexuelle pour permettre aux individus d'atteindre le meilleur état de santé sexuelle. Et on va alors vers une obligation de moyens, donner les moyens à la population d'atteindre ce meilleur état de santé. À partir du moment où le droit à la santé n'apparaît qu'à travers ce prisme d'une obligation de moyens à la charge de l'État, malheureusement, il perd toute son immédiateté et son invocation par les particuliers devient problématique. C'est dans cette mesure que le droit à la santé, alors, ne s'envisage que comme un droit média en forme d'objectif. Alors du coup, qu'entendez-vous par droit aux soins de santé sexuelle et atteinte et en faire en sorte d'atteindre le meilleur état de santé possible de fait ? Alors tous les États ont l'obligation de mettre en œuvre ces moyens nécessaire pour garantir le droit à la santé sexuelle de leur population. Le droit à la santé sexuelle suppose que les États garantissent aux personnes la possibilité de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible d'être atteint en assurant le même accès à l'ensemble de la population. D'ailleurs, la Constitution de l'OMS établit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Si l'on se place au regard du système français, le premier droit de la personne malade, eh bien, c'est de pouvoir accéder aux soins en rapport avec son état de santé, et ce, quels que soient ses revenus. Ce sont les principes d'égal accès aux soins qui sont garantis aux usagers dans le système de protection sociale mis en place en 1945 au titre de la solidarité. La possession du meilleur état de santé suppose donc la réunion d'un certain nombre de critères sociaux favorables à l'état de santé de tous, et notamment, bien évidemment, la disponibilité des services de santé sexuelle. Vous l'aurez compris, le droit à la santé ne peut se formuler que comme un droit à des prestations de santé. Dans le débat actuel sur la réforme des soins de santé, l'accès universel est devenu un objectif incontesté. D'ailleurs, la couverture sanitaire universelle a été fixée comme un objectif général pour la santé dans le programme du développement pour l'après 2015. Alors, couverture universelle, accès universel, quelle est la différence ?
Eh bien, la couverture sanitaire universelle, c'est l'objectif selon lequel tous les individus ont accès aux services de santé dont ils ont besoin, sans risquer des difficultés financières en raison des paiements directs qui ne seraient pas abordables. Elle suppose donc une couverture de services de santé de qualité, ça depuis la promotion de la santé jusqu'au système de prévention, pour les traitements également, mais aussi la réadaptation et ce jusqu'aux soins palliatifs. Une protection contre le risque financier. Et un troisième aspect, bien évidemment, c'est l'universalité. La couverture doit concerner l'ensemble de la population. C'est bien évident, de nombreux pays sont loin de réaliser cette couverture sanitaire universelle, mais elles doivent au moins être en mesure de prendre un certain nombre de dispositions pour permettre notamment l'amélioration de l'accès, qui est une des mesures qui est susceptible d'être prise. Alors la couverture sanitaire universelle, elle est instaurée lorsque les gens obtiennent effectivement les services de santé dont ils ont besoin et bénéficient d'une protection contre le risque financier. Ainsi, si on veut atteindre la couverture universelle, les services doivent être accessibles physiquement, financièrement et acceptables pour les patients. C'est pourquoi cette couverture sanitaire universelle n'est pas possible sans accès universel. Les deux choses ne sont pas synonymes, mais le droit à la santé sexuelle, pour résumer, comprend l'accès en temps utile à des soins de santé sexuelle acceptables, de qualité, satisfaisante et d'un coût abordable. Et pour le coup, comment est-ce qu'on garantit le droit à la santé sexuelle ? Cet accès aux soins de santé sexuelle et à la santé sexuelle sont liés à la réalisation des droits humains. Et d'autres droits humains, notamment comme la non-discrimination, l'accès à l'information et à la participation. Le droit à la santé sexuelle suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit de l'être humain de contrôler, en matière de santé sexuelle et en matière de santé, de contrôler sa propre santé et son propre corps. Par exemple, les droits sexuels et reproductifs, ainsi que le droit à l'intégrité. Par exemple, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, à la torture, ou alors d'être soumis à des traitements sans son consentement ou à une expérience médicale. Les droits, quant à eux, on l'a vu précédemment, comprennent le droit d'accès à un système de protection de santé qui garantisse à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. Vous l'aurez compris, les droits humains, ça constitue l'architecture sur laquelle repose l'accès aux soins de santé et donc le droit à la santé sexuelle. Dès lors, une approche de la santé sexuelle fondée sur les droits humains fournit des stratégies, mais également des solutions pour affronter et rectifier les inégalités, les pratiques discriminatoires et les rapports de force injustes qui sont souvent au cœur des inégalités de notre système de soins. Alors, une telle approche vise à ce que l'ensemble des politiques, des stratégies et des programmes de santé soient conçus de façon à améliorer peu à peu la jouissance pour tous du droit à la santé sexuelle et conduire au bien-être, ce que nous verrons un peu plus tard. Bien, quels sont les droits humains un peu pivots du droit à la santé sexuelle ? Alors, les droits humains, ils doivent être présents et appliqués, vous l'avez compris, dans les programmes de santé sexuelle. Vous avez par exemple le droit à la vie, qui est un droit humain. On verra un petit peu plus tard où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'on le trouve et comment on peut l'invoquer. Il permet de revendiquer de ne pas être soumis à la contrainte, à la violence par rapport à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les comportements sexuels. Le droit à la vie privée, là également, c'est un des droits humains essentiels en matière de santé et surtout de santé sexuelle. Il signifie quoi ? Il signifie qu'une personne doit être à l'abri de toute ingérence dans sa vie privée et qu'elle doit bénéficier d'une protection juridique à cet effet.
la santé sexuelle, elle recouvre de nombreuses questions qui touchent à l'individu, mais également à sa famille et aux communautés. Et il existe une obligation qui touche également au regard de la vie privée. Vous avez vu que c'est le libre choix de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial, de l'identité de genre, mais également ça touche les comportements dans la sphère professionnelle des professionnels de santé. Au regard de ce respect de la vie privée, eh bien, le professionnel de santé doit respecter la confidentialité, c'est-à-dire qu'il doit respecter la confidentialité des informations qui lui sont données par le patient et qui touchent à sa santé et qui sont protégées au regard de ce respect de la vie privée. La confidentialité, eh bien, elle est essentielle. Elle suppose une obligation des prestataires, donc de garder secret ou privé ces informations médicales qui leur sont communiquées par les patients ou bien évidemment qui sont contenues dans les dossiers médicaux et qui protègent la vie privée de la personne et qui jouent un rôle important en matière de santé sexuelle et reproductive. Et vous l'avez compris, à partir du moment où il y a un risque de divulgation de cette confidentialité, eh bien les personnes vont avoir tendance à ne pas aller consulter, c'est-à-dire que si elles pensent qu'il y a un risque de diffusion de ces informations, eh bien elles ne vont pas se présenter auprès des services de soins, et bien évidemment ça va être péjoratif pour leur santé sexuelle et la santé en règle générale. C'est notamment le cas pour les adolescents par exemple, ou pour les populations marginalisées ou à risque. Alors, vous avez ensuite le droit de jouir du meilleur état de santé, qui permet d'accéder au niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être par rapport à la sexualité. Le droit à l'information sur la santé sexuelle. Hop. Alors, du coup, si vous voulez, nous avons vu que l'ensemble de ces droits humains et leur application au quotidien, au sein des services de santé, mais des services de santé sexuelle également, que ce soit les services d'information, de fourniture en matière de santé sexuelle et même d'éducation, eh bien, était nécessaire et apparaissait même comme une composante de la santé sexuelle. Pour résumer cet apport des droits humains sur la santé sexuelle, eh bien, on peut dire que ces services de santé sexuelle, ils doivent être, vous le voyez sur ce schéma, disponibles, accessibles, de qualité, respectueux de la vie privée et de la confidentialité, tout en privilégiant la participation et la responsabilité des usagers. Bien évidemment, une attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute particulière doit être portée aux populations marginalisées et à risque. Bien évidemment, les prises en charge doivent être exemptes de toute discrimination. Est-ce qu'on a des exemples de condamnations qui auraient pu donc avoir lieu, et notamment où on aurait invoqué ce droit à la santé ? Alors oui, donc on a vu un petit peu la théorie, c'est ce que je vous ai exposé précédemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement si un certain nombre de ressortissants, de patients ont pu invoquer ce droit à la santé pour obtenir une indemnisation, notamment vis-à-vis de l'État, qui n'aurait pas rempli son obligation en matière d'accès aux soins de santé. Alors je vais commencer au niveau international pour ensuite arriver à la France. Vous avez en 1999 une condamnation par la Cour suprême du Venezuela à propos de l'accès au traitement contre l'infection par le VIH. Et donc au terme de cette décision de la Cour suprême du Venezuela, elle a mis comme obligation à la charge du ministère de la Santé qu'il fournisse les médicaments que prescrivent les médecins de l'État aux personnes séropositives, qu'il prenne à sa charge le coût des traitements et qu'il élabore des politiques et des programmes requis en vue du traitement et du soutien des personnes atteintes. Et ce, sur la base de sa constitution et expressément en visant le droit à la vie et le droit à la santé qui était prévu dans sa constitution. De la même façon, en Afrique du Sud, la Cour suprême a exigé que le gouvernement fournisse les thérapeutiques appropriées aux femmes enceintes vivant avec le VIH. C'est une décision de 2002. La Cour européenne des droits de l'homme a pu être également amenée
à examiner des litiges mettant en cause la responsabilité de l'État par des ressortissants des États membres, estimant que les soins délivrés étaient insuffisants. Vous avez des exemples de décisions qui ont été prononcées contre la Turquie. Une première concernant un refus d'assurer à un patient affecté par le VIH à la naissance par rapport à des transfusions sanguines, une couverture médicale gratuite jusqu'à la fin de sa vie. Donc les intéressés, c'est-à-dire ses parents, soutenaient que les autorités turques étaient responsables de son état de santé extrêmement grave, faute d'avoir suffisamment pris les dispositions pour éviter effectivement cette infection par transfusion sanguine. Et là, la Cour, elle a visé également son article 2, l'article 2 contenu dans la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie de la Convention, et elle a considéré que la réparation la plus appropriée, eh bien, c'était de prendre en charge jusqu'à la fin de sa vie le coût des soins de cette personne et de façon gratuite. Nous avons également une décision en 2013 de la Cour européenne des droits de l'homme, là encore une condamnation de la Turquie. Là, nous sommes moins sur la santé sexuelle, plus sur le droit à la santé en général. Et cela concernait le décès d'une femme enceinte survenue à la suite de multiples et successives erreurs qui engageaient, on va dire plutôt, la responsabilité médicale globale des établissements qui l'avaient accueillie, un défaut de prise en charge médicale d'urgence. Et là encore, la Cour a pu estimer qu'il y avait une violation et un non-respect du droit à la vie de cette personne parce qu'il y avait eu un défaut de prise en charge médicale d'urgence. Les soins n'étaient pas appropriés, l'accès aux soins n'était pas garanti. Alors en France, j'ai regardé et trouvé deux, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai souligné, j'ai voulu vous parler de deux condamnations assez récentes. En 2015, vous avez les parents d'une petite fille âgée de 12 ans qui était handicapée, qui est handicapée moteur, et ils ont obtenu à l'issue d'un procès contre l'État devant le tribunal administratif, eh bien une condamnation de l'État pour ne pas avoir satisfait à son obligation d'organiser une offre de soins. Je m'explique. Donc cette famille habitait à Poitiers, et il n'existait pas pour cet enfant sur place, c'est-à-dire à Poitiers, de services d'éducation spécialisés et de soins à domicile pour les jeunes déficients moteurs. De ce fait, eh bien, ne bénéficiant pas de ces soins, les parents ont saisi le tribunal administratif et engagé la responsabilité de l'ARS à ce titre-là, et ils ont obtenu une condamnation et des dommages d'intérêt, somme toute symboliques. En 2015 également, vous avez des condamnations qui ont été prononcées par le tribunal administratif de Paris pour avoir condamné l'État français. Alors là, nous avons des condamnations un peu plus élevées en termes de dommages intérêts, puisqu'il y avait environ presque 250 000 euros, mais à se partager entre 7 familles d'enfants autistes. Ce qui était reproché à l'État, là également, c'était le fait qu'il n'y ait pas de soins appropriés pour prendre en charge ces enfants autistes. Donc la France a été condamnée au regard de la carence en matière de soins proposés à ces familles, un certain nombre de ces familles ayant dû d'ailleurs envoyer leurs enfants en Belgique et ayant dû régler de leur propre denier les soins appropriés à ces enfants que l'État ne pouvait pas leur proposer au titre de l'accès aux soins. Donc là encore, une condamnation au regard du droit à la santé sur la carence de l'offre de soins. Alors justement, si on veut un peu s'informer sur tous ces textes de loi, notamment sur le droit à la vie, les non-discriminations, le droit à la santé, où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble de ces textes ? Alors, les droits humains que l'on a décrits tout à l'heure et qu'on a appliqués à la sexualité, eh bien, ce sont des droits que l'on trouve principalement et à l'origine dans des textes de droit internationaux et plus principalement dans les conventions des Nations Unies. On les trouve également dans les conventions régionales, comme la Convention européenne des droits de l'homme, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme sur les bases de cette convention européenne. Vous avez également pour le continent africain la charte africaine et ses différents protocoles, mais vous avez également les constitutions et les législations nationales. Par exemple, en France,
le droit à la protection de la santé, eh bien, elle est reconnue par le préambule de la Constitution de 1946, qui est intégré dans notre Constitution. Vous avez également tous les textes de consensus internationaux. Alors Thierry nous en a parlé tout à l'heure, c'était les objectifs du millénaire pour le développement, ou encore les objectifs du développement durable, mais également tous les documents et programmes d'action sur les droits de l'homme et les programmes pour le développement. Donc revenons un petit peu à ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est-à-dire les objectifs du développement durable. Thierry nous l'a expliqué, ça a commencé par les objectifs du millénaire en 2000, et là, les pays du monde entier, eh bien, ils se sont engagés à agir en adhérant aux objectifs du millénaire pour le développement de la population. Ces engagements, ils ont été renouvelés donc avec l'adoption des objectifs du développement durable. Et à cette occasion-là, eh bien, comme il vous l'a dit, le monde s'est mis d'accord. Nous voulons tous vivre dans un monde sans pauvreté, où chacun peut réaliser son potentiel et où un bon niveau de santé et d'éducation est garanti, puisque c'est rappelé en filigrane dans un certain nombre d'objectifs. Alors, pour que cette vision se réalise, eh bien, cela passe impérativement par les droits sexuels et reproductifs. On l'a abordé tout à l'heure. Ces droits concernent les gens dans leur quotidien, dans leurs moyens de subsistance, dans les offres qui se présentent à eux et dans les aspirations qui les animent. Ces droits permettent surtout, et c'est ce qui est décrit dans ces objectifs du développement durable, eh bien, aux personnes et surtout également aux jeunes filles et aux femmes, eh bien, de devenir autonomes et capables d'exercer un choix en ce qui concerne sa vie sexuelle et reproductive. Donc la santé, les droits sexuels et reproductifs et des résultats combinés qui concernent la population entière sont à la base du moindre aspect du développement durable et de la croissance économique. Les trois développements, les trois dimensions du développement durable, eh bien, recoupent la santé sexuelle et les droits sexuels au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental. Par conséquent, veiller à l'accès universel de ces droits, ça, c'est une sorte de sésame et une sorte de réponse aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés en termes de développement durable. Alors, un petit exemple pour que ce soit plus concret. Dans certains pays, la majorité des femmes sont mariées alors qu'elles sont très jeunes. Elles n'ont parfois même pas 15 ans. De ce fait, eh bien, elles n'ont pas le choix par elles-mêmes de décider du futur de leur existence. Et cela peut avoir des conséquences, comme vous le savez, extrêmement tragiques. Par contre, dès lors que ces jeunes femmes et ces femmes peuvent avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive, eh bien, elles vont être en mesure, à partir de ce moment-là, de devenir autonomes vis-à-vis de leur corps et de leur santé reproductive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles vont être capables de repousser à plus tard l'âge du mariage, mais également de retarder les grossesses, de les planifier, de décider du nombre d'enfants qu'elles sont susceptibles d'avoir. Si on retarde l'âge du mariage, l'âge de la grossesse, eh bien, elles auront plus de chances d'être scolarisées et de le rester. Et à leur tour, si elles sont plus longtemps scolarisées, cela va avoir un impact et une incidence bénéfique sur leurs revenus futurs et sur leur participation sur le marché du travail. D'où l'intrication entre les droits sexuels et reproductifs et le développement durable. Alors justement, en parlant de développement durable, les droits sexuels et reproductifs sont-ils justement inscrits dans les objectifs du développement durable des Nations Unies ? Alors oui, on avait commencé tout à l'heure à le voir avec Thierry. Ils sont bien évidemment inscrits dans les objectifs du développement durable. Vous avez l'objectif numéro 3 qui concerne la santé. Nous avons également l'objectif numéro 5 en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles, qui comprennent, vous le voyez, des cibles liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. La cible 3.7
exige l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en matière de planification familiale et d'éducation, en faveur de l'intégration de la santé reproductive dans les stratégies et les programmes nationaux. La cible 5.6 exige l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et également aux droits reproductifs. Vous l'aurez compris, certains des aspects de la santé des droits sexuels et reproductifs ne reçoivent pas malheureusement de moyens suffisants et sont cruellement négligés. Il faut citer notamment l'accès à un avortement sans risque et légal, l'accès aussi par les adolescents à ces services de santé et l'accès pour les plus pauvres et les plus marginalisés de la population. Mais également, la population est susceptible et beaucoup d'individus souffrent de discrimination, de stigmatisation basée sur leur sexualité, leur identité sexuelle ainsi que leur choix, leur comportement en matière sexuelle et reproductive. Dès lors, il existe un fort impératif de promouvoir la reconnaissance des droits sexuels au-delà même de l'accès aux services. Alors en parlant de droits sexuels, quels sont-ils et quelle est la différence avec les droits humains décrits un peu plus avant et les droits peuvent-ils être sexuels in fine ou pas puisqu'on parle de droits sexuels Oui, effectivement, il faut arriver à... Tantôt on parle de droits humains, tantôt on parle de droits sexuels. Est-ce qu'on parle de la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? Eh bien non, on parle de la même chose. La seule chose qui est universelle, ce sont les droits humains contenus dans les différentes conventions internationales, législations nationales, constitutions nationales que nous avons vues plus tôt. C'était par exemple le droit à la vie, le droit à la vie privée et familiale, etc. Les droits sexuels, ce sont les mêmes droits, mais que l'on applique à la sexualité. On les décline dans la matière sexuelle. C'est-à-dire qu'on va parler du droit à la vie en matière de sexualité, du droit à la vie familiale, à la vie privée et familiale en matière de sexualité. Donc ce sont exactement les mêmes droits, mais appliqués à la sexualité. Donc ce n'est pas une nouvelle catégorie de droits, ce sont exactement les mêmes, mais ils sont déclinés dans la matière. Alors les droits sexuels, nous avons une définition qui a été posée par l'OMS. Vous le voyez, ils nous l'expliquent très clairement, ils nous disent que les droits sexuels font partie des droits de la personne qui sont d'ores et déjà reconnus dans les lois nationales, les documents internationaux relatifs aux droits des personnes et d'autres documents adoptés par consensus, c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt. Ils incluent le droit pour tous d'accéder, sans être en but à la coercition, discrimination ou violence, à la meilleure santé possible, l'accès aux services de santé sexuelle et génésique, recevoir des informations, une éducation sexuelle, au respect de l'intégrité de leur corps, choisir un partenaire, décider d'avoir une vie sexuelle active ou non, des rapports sexuels librement consentis, un mariage, des enfants, et enfin une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable. Merci beaucoup Ingrid. Tout cela, les 10 points, c'est ce qui fait donc le droit sexuel. Comment est-ce que c'est applicable in fine quand on souhaite pouvoir... Alors, comment on peut les revendiquer? Ouais. Alors, on peut les revendiquer, c'est ce que j'ai vu, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à travers notamment les quelques décisions que je vous ai indiquées. Donc ensuite, vous avez des... Ils sont invocables devant les juridictions nationales, ils sont invocables également devant les juridictions internationales. Ouais. Au niveau régional, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Au niveau des Nations unies, ce sont les comités des Nations unies. Donc ce sont des droits qui sont invocables directement devant les juridictions nationales, mais aussi au niveau d'instances internationales. Bien, merci beaucoup Thierry. Alors, Ingrid, oula, je suis fatigué. C'est dur. Est-ce que je peux prendre justement... Bien, donc je vais aborder deux volets. La vie intime et personnelle. En quoi cette vision peut nous permettre de réfléchir différemment sur l'expression et les représentations que nous avons de notre sexualité, de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport aux autres. Et comment, sur le plan professionnel, ça peut aussi s'impliquer. Puisque dans cette salle, une grande partie sont des professionnels de santé. Et donc je vais aborder ces deux approches. Voilà. Donc globalement, la santé sexuelle, on ne peut pas l'aborder sans
avoir une idée précise, non pas de ce qu'est le sexe, ça c'est physique, mais ce qu'est la sexualité. Et donc, je vous ai donné tout à l'heure les, si on pouvait, voilà, je vais essayer de passer, les définitions. Et la définition de travail de la sexualité, comme le définit l'OMS dans cette publication de 2006, qui a été écrite en 2002 et publiée seulement 4 ans plus tard, retrouve des termes importants qui expliquent que c'est une définition, comme c'est marqué, de travail, ou c'est pas marqué, mais je l'ai retiré, c'est une définition de travail. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été votée par l'Assemblée générale. D'après vous, pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Érotisme. Quand je me rappelle ma collègue russe qui me dit que c'est de la pornographie. Le plaisir. M'expliquer, mais attendez, mais si on promeut le plaisir, on promeut l'externalité de l'individu. On ne peut plus capter les populations. Si vous donnez du plaisir, vous prenez la liberté, vous n'avez plus d'emprise sur les populations et les groupes. Donc, ça, c'est pas possible et non acceptable. L'intimité, la reproduction, ils étaient d'accord. L'orientation sexuelle, ça gêne. Parce que si on associe à l'homosexualité le fait qu'il n'y ait pas de santé reproductive, ce qui n'est pas du tout le cas dans les droits humains, on peut avoir une orientation homosexuelle, avoir des enfants, soit par voie de PMA, soit d'adoption, et qu'il n'y a aucune raison. Sinon, c'est un non-respect des droits humains. Donc vous imaginez bien que beaucoup de pays financeurs, et notamment aujourd'hui les Nations Unies, sont des grands financeurs, les États-Unis sont les grands financeurs des Nations Unies et de l'OMS, et que s'ils se retirent avec ce que l'on a vu lundi, c'est-à-dire un décret de ce nouveau président qui dit que toute association sur le sol américain ou toute association sur les sols étrangers qui promeut la contraception et l'IVG n'auront plus aucun financement, ni de l'État des États-Unis, ni des privés qui appartiennent à l'État des États-Unis. Donc on voit que cette définition, ces termes, peuvent être même variables dans le temps. Et on était en Autriche il y a peu de temps pour labelliser un musée de la contraception et de l'IVG avec Ingrid, et sur lequel en Autriche, c'est on ne prend pas en charge la contraception, on ne prend pas l'IVG. Mais on permet d'avoir un musée et dans lequel on peut délivrer une contraception et des IVG à des prix modiques, voire aux jeunes mineurs, une gratuité. Donc en fait, chaque pays module tout ça. Et donc cette définition, elle a été incapable d'être votée en Assemblée générale. Et je peux vous dire, les textes en Assemblée générale, pour y participer à travers donc le directeur général de la santé, qui a été le responsable pendant 4 ans au niveau de l'OMS Europe, de tout ce qui portait la santé, eh bien, ces termes-là sont encore, restent difficiles, même en Europe. Ensuite. Alors, je vous propose un premier cas d'analyse. C'est quelque chose que j'avais commencé à décrire, à balbutier en 1988 au congrès du SIDA à Stockholm, qui est une forme de symbolique basée, qui n'était pas très compliquée, basée sur la définition de la santé 1946. Je n'ai rien inventé, j'ai simplement mis en représentation graphique. Et aujourd'hui, elle est reprise, travaillée un peu différemment, par l'OMS et donc devient un graphe, une analyse officielle. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les quatre dimensions de la santé sexuelle. Les États-Unis ont rajouté une cinquième dimension qui est la spiritualité. Nous sommes avec un pentagone qui est plus proche, je dirais, de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, dans lequel on peut avoir des explications. Chez nous, en France, le Haut Comité de Conseil de Santé Publique nous a demander que dans la santé mentale, il pouvait y avoir, en fonction de chaque individu, une spiritualité, des croyances, mais qu'on n'avait pas à la mettre comme une dimension obligatoire à exprimer dans le cas d'analyse. Comme ça que c'est écrit. Donc, on a le physique, le social, le mental. Physique, c'est quoi ? Vous connaissez, c'est nos besoins.
que l'on exprime par nos sens. C'est pas qu'un besoin de plaisir, c'est un besoin aussi, à certains moments de notre vie, pour certains d'entre nous, pas pour tous, de se reproduire. La sexualité, donc, a deux supports, deux pieds, qui sont d'une part la notion de plaisir et d'autre part la notion de reproduction, et c'est symbolisé par les cinq sens. Et ça, ça représente le besoin. Bon, on a ce besoin, là, dans nos entrailles, qu'est-ce qu'on en fait? On va l'exprimer. On va exprimer une demande. Et c'est l'expression que l'on va avoir avec quelqu'un, ou avec un professionnel, ou avec dans sa famille, ou dans un dialogue. C'est ce qu'on appelle la dimension sociale, c'est la demande, et ça, fonction de son langage, de son savoir, de ses cultures, de ses rites, elle va être bien définie. Évidemment différente, toutes les demandes que nous avons par rapport à nos besoins, qui varient dans le temps, vont être différentes. Et la réponse, elle est où? Ben, c'est pas le professionnel de santé. Le professionnel de santé est là pour loi du 26 janvier 2016, notamment portée par l'association AIDE, qui est l'accompagnement à l'autonomie de santé. Quelque chose qui a été proposé par Saout et je vous regarde, et l'équipe de AIDE, qui est donc, en fait, la réponse, c'est l'individu. C'est lui-même qui apporte une réponse. Et nous, les professionnels de santé, nous sommes là pour accompagner cet individu à trouver sa propre réponse. C'est les bases du fondement de AIDE, qui ne font rien sans l'individu, proprement dit, et beaucoup d'associations pour qu'ils puissent s'exprimer et les aider à s'exprimer. Et ça, ça vient donc d'une trentaine d'années de travail avec ceux qui ont composé au départ cette association. La dimension mentale, alors donc, ça peut parler de l'orgasme, des fantasmes, ça peut parler de la psychologie, on peut mettre aussi la spiritualité et la croyance. Et rien ne peut exister sans que les droits humains, on l'a compris avec l'exposé d'Ingrid, puisse exister. Ce qui fait que là, on est au niveau individuel. C'est-à-dire que quand, moi, personnellement, je vois au niveau individuel, en clinique, un individu, immédiatement, j'ai cette grille d'analyse et je n'oublie rien dans le système. Et regardez la dimension émotionnelle où elle est. Elle est dans un triangle inversé au centre. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir possibilité de passer du physique au mental, ou du mental au physique, du physique au social, ou du social au physique, ou du social au mental, sans passer par le respect et la reconnaissance de l'émotion que l'on ressent. Je ne vais pas aller plus loin sur l'élaboration d'une émotion cérébrale et le ressenti physique que l'on peut avoir. C'est qu'un exemple du lien entre mental et physique. La dimension émotionnelle, on va le voir tout à l'heure dans le développement, c'est ce que nous avons compris dans le mode de communication le plus efficace avec l'individu. Et donc, c'est ce qui change de tout ce qu'on a appris du counseling, des communications d'écoute libre, d'écoute active, qui ont été de type Rogerienne, Kharkov, etc. On a compris que c'est une communication à deux voix, entre deux individus, pour permettre de trouver la solution, la réponse, vers la personne qui en a cette demande. Comment est-ce que ça s'intègre dans l'environnement, je dirais, un peu classique et les droits humains qui ont été cités par Ingrid? Eh bien, tout simplement, ce que je viens de décrire, c'est l'aspect micro-individu, ce qu'on a vu, ce triangle, qui s'inscrit dans un niveau intermédiaire qui reprend exactement ce que devient nous expliquer Ingrid ou ce que l'on a vu dans les autres objectifs de développement durable, notamment dans le macro. Donc le niveau intermédiaire, c'est quoi? Ben, c'est notre proximité, c'est notre communauté qui est ici, c'est notre vie au quotidien. Donc au niveau intermédiaire, donc, c'est notre environnement proximal, la famille, nos partenaires, la communauté dans laquelle on vit, nos valeurs, nos normes. Et l'aspect macro, c'est la société que l'on choisit, celle que pour nous en France, nous allons choisir pour 2017. Eh bien, c'est tout cet encadrement de législation. Et c'est vrai qu'un vote, même si c'est qu'un individu, porte sur toute une nation. Vers quoi ça dirige? C'est vers des objectifs. Et là, on commence à avoir l'objectif d'autonomie, de bien-être, de promotion et de protection des droits humains que nous a parlé Ingrid. Et il est prouvé, il est largement prouvé, et Ingrid nous le remontera, que les indicateurs, les résultats sont améliorés quand c'est respecté. Comment communiquer de façon pratique? Bien,
en dehors des aspects et des découvertes biomédicales qui améliorent bien évidemment, il y en a de nombreuses, de la création de PINCUS avec la contraception, l'accord de l'IVG médicalisé jusqu'à la PrEP, c'est-à-dire au traitement pré-exposition par rapport au VIH, de nombreuses découvertes ont été faites, bien évidemment. Et on ne peut pas en faire fi. On doit être avec, les respecter, ne pas les discriminer et les accompagner. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que derrière, il y a l'individu. Derrière tout cet aspect biomédical, il y a de la communication. Et la communication, on a tous appris, on a tous une certaine maturité, on a tous appris ce qu'était la communication de type counseling. Ce n'est pas efficace. C'est efficace pour annoncer des annonces graves. C'est efficace, le counseling, pour faire des thérapies en profondeur. Ce n'est pas efficace quand on veut intervenir rapidement et aller vers des modifications de comportement dont la personne réclame cette demande. Et donc, c'est le livre que vous avez juste derrière cette porte, pour ceux qui restent, qui est gratuit, qui est en français. L'OMS, c'est le groupe que j'ai coordonné entre 2010 et 2014, qui est une méta-analyse mondiale de l'efficacité en communication. C'est la brève communication relative à la sexualité, la seule chose à se dire, reformulation de l'émotion, feedback avec la personne, et après, elle commence à exprimer ce qu'elle veut changer par rapport à une émotion qu'elle ne veut pas vivre. Et on peut aller, quand on a un peu plus de temps, vers l'entretien motivationnel, c'est écrit aussi dans ce livre, qui est une seconde étape, qui demande un peu plus de temps que la brève communication relative à la sexualité. Donc aujourd'hui, nous savons, nous avons démontré, dans nos pays en tout cas, qu'on a une efficacité bien supérieure par la brève communication par la sexualité, et vous en avez le livre, les références, les méta-analyses, dans lequel on ne peut pas mettre en doute, au niveau mondial et à notre niveau, l'efficacité par rapport au counseling. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, c'est une nouvelle approche, avec des outils anciens, mais on n'utilise pas les outils, c'est globalement un dialogue à deux voix. Et là, sur le plan de la vie intime, eh bien c'est la même chose. Quand on se plaint par rapport à des besoins non satisfaits à son ou sa partenaire ou à sa famille, et qu'on est dans un monologue de... on n'aboutit pas. Par contre, si on crée ce dialogue à deux voix, respectueux, égalitaire, dans lequel l'émotion est au centre de ce que vit chacun du ou des partenaires, nous sommes à un autre niveau de dialogue, à un autre niveau de résolution personnelle de ces plaintes. Et c'est ça la nouveauté. Les divorces, les séparations, les multipartenariats, pourquoi pas, si c'est la solution ? Avec les conséquences que nous connaissons tous. Mais est-ce qu'on a mis en place réellement des actions qui, aujourd'hui, on a démontré efficaces, de communication à deux voies, égalitaires, respectueuses, déjà pour nous, dans notre propre vie, avant déjà de l'appliquer dans notre vie professionnelle. Et ça, c'est une nouvelle vision de l'approche, même dans la vie intime, de nos relations à l'autre. Merci Thierry. On va passer la parole à Ingrid, justement, pour... la question qui est comment les droits en lien avec la sexualité peuvent favoriser le bien-être des individus et des populations. Vraie question. Je récupère le micro pour un temps de parole égalitaire. C'est ça. Donc Thierry a commencé à nous en parler, comment les droits en lien à la sexualité peuvent favoriser le bien-être des individus et des populations. Eh bien, les données disponibles scientifiques démontrent que... le respect, la protection, la promotion des droits humains améliorent les résultats en matière de santé sexuelle et améliorent bien évidemment les résultats en santé générale. Par exemple, tout à l'heure, dans le cadre de droits humains, je vous ai présenté le droit à l'éducation qui est une des composantes des droits humains. Si on applique ce droit humain en matière de sexualité, c'est donc l'éducation à la sexualité. Donc si on intègre des programmes d'éducation sexuelle dans les programmes d'enseignement, eh bien, on va se rendre compte que ça va favoriser le développement entre guillemets sain des adolescents, que ça va diminuer les comportements à risque, que ça va diminuer le nombre de grossesses non désirées et également que ça va retarder l'âge des premiers rapports sexuels. On voit donc là immédiatement l'implication
et l'impact des droits humains sur la santé sexuelle et la santé en général. Mais également, si on fournit des informations et des services en matière de contraception, eh bien, ça va permettre, dans la vie intime et privée, eh bien, de fournir un éventail plus important en termes de contraception sûre. Ça va augmenter la satisfaction des personnes et l'utilisation continue de la contraception et à terme le bien-être de la population. L'environnement juridique joue donc un rôle important. Il favorise la santé sexuelle et donc le bien-être lorsqu'il est en accord avec les normes relatives aux droits humains. C'est un petit peu ce que l'on retrouve schématiquement exposé dans ce graphique qui vous est présenté et qui est issu à l'origine de Jonathan Mann et qui a été adapté sur et transposé sur l'efficacité de la stratégie de santé publique. Merci Ingrid. Alors Thierry, si tu veux bien revenir. Quels sont les enjeux de la sexualité justement pour l'avenir ? Fais-nous plaisir, ne vois pas un avenir sombre. Bon, assez rapidement, parce qu'on est un peu en retard, et si on veut laisser la salle poser quelques questions. Donc on a trois types de promotion, la promotion de la santé reproductive, la promotion de la santé sexuelle, puis la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Nous l'avons vu à de nombreux moments, mais il y a des termes importants. La notion de sécuritaire, la notion d'autonomie et la notion de satisfaction. Ces trois objectifs à atteindre dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, et tout ça dans le but d'améliorer les indicateurs. Alors, quelles sont les peurs que nous avons ? Les peurs, ben, c'est toujours l'inconnu. L'inconnu, c'est le manque de connaissances, le manque de recherche, le manque d'action, et ça peut être comblé. Ça veut dire, si on n'a pas la connaissance, c'est aussi un problème d'éducation. C'est un problème cognitif. Donc il faut bien qu'on y ait accès, parce qu'on peut avoir peur du genre masculin et féminin. Je suis un homme, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être de genre féminin quand je suis un homme ? Je suis une femme, qu'est-ce que ça veut dire d'être du genre masculin ? Beaucoup de jeunes aujourd'hui me disent « Vous me faites chier avec vos genres masculin et féminin. Moi, je suis indéterminé et je verrai bien un jour si je dois me déterminer. » Donc le genre peut varier. Le transgenre, transsexuel, transsexualisme, c'est aussi une forme de passage entre des genres, des orientations aussi. Les orientations sexuelles peuvent faire peur pour des problèmes qui sont liés au mariage, à la reproduction, au fait d'avoir des enfants, au fait d'être simplement admis pour « ce n'est pas ma famille, c'est pas moi », et quand c'est ma famille, on discrimine. Et donc les tentatives de suicide aujourd'hui pour les jeunes qui sont dans des recherches d'orientation, qui parfois ont une orientation de type des hommes, qui ont des rapports sexuels des hommes, posent des problèmes aujourd'hui. Et là-dessus, l'éducation nationale et nous, l'État, on aura à réfléchir pour comment accompagner. Plaisir et orgasme, j'en ai discuté tout à l'heure, c'est banni dans certains lieux, voire ça veut dire quoi ? Ma femme ou mon homme prend du plaisir, de l'orgasme, pour qui ? Pour moi ? Pour elle-même, pour lui-même, pour qui on le prend, pour quelle signification, quand on n'en a plus, qu'il y a une panne, qu'est-ce que ça veut dire, quelle symbolique ça. Les expressions de l'amour, eh bien, elles sont multiples. Elles sont propres à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a connu plusieurs formes d'amour au cours de sa vie, sa biographie de vie, tout simplement, pas forcément liée à la sexualité. Donc, savoir aussi faire attention aux termes quand on les emploie et de ne pas manipuler honnêtement, mais qui peut laisser des traces et pouvoir faire peur. L'amour fait peur dans certains pays. L'autonomie des femmes, ce qui veut pas dire aussi la place de l'homme maintenant, ça veut dire est-ce qu'on est dans le pardon, dans la vengeance, dans un équilibre à retrouver ? Quel équilibre entre le physique, le social, le mental et l'émotionnel ? L'égalité des sexes ? Évidemment, moi je pense que ça a été en filigrane de toute cette intervention, les droits sexuels et reproductifs. Alors, il y a des valeurs. Je laisse Ingrid, je pense, intervenir sur après. C'est... Mm-hmm. Oui, c'est toi.
Oui, très rapidement sur ces points qui finalement reviennent sur ce qu'on avait dit précédemment. Les valeurs basées sur les droits humains, l'autonomie, l'égalité, la réciprocité, le respect, la satisfaction, la sécurité et le consentement. Le consentement, bien évidemment, c'est le pivot des droits humains en matière de sexualité. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus après, hein, Jérôme, par rapport à... Je reviens un peu sur... sur le sujet du départ, parce qu'on parlait de santé sexuelle, de quel droit. Thierry nous a présenté les enjeux de la sexualité, mais finalement, on n'a pas répondu aussi à une question. La sexualité, un droit ou une liberté, et savoir finalement s'il existe un droit à la sexualité, un droit aux relations sexuelles. Alors, la liberté sexuelle, ça parle à tout le monde. C'est bien évidemment le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi en matière de santé sexuelle. C'est le droit d'avoir des relations sexuelles, mais aussi de les refuser. On parlait tout à l'heure de consentement, d'en choisir la nature, de choisir son orientation, le type de relation sexuelle que l'on souhaite. Le droit d'entretenir des relations sexuelles, choisir sa sexualité. C'est protégé, comme on l'a vu tout à l'heure, au titre de la vie privée, à l'abri des ingérences de l'État, et la violation par contre du droit de refuser une relation sexuelle, s'il n'y a pas de consentement, eh bien là, cela relèvera de la sanction pénale. Le droit d'avoir des relations sexuelles n'est pas garanti sous la forme d'un droit à. Les États, bien évidemment, vous l'avez compris, n'ont pas d'obligation de garantir à l'individu la simple possibilité d'avoir au sens propre des relations sexuelles. On peut aussi d'ailleurs se poser la question entre vie privée et vie intime, par rapport effectivement à la place du droit les deux. Oui, la place du droit, la place de l'État par rapport à ça, puisque la vie intime et sexuelle relève de la vie privée, est protégée à ce titre-là, mais du coup, quelle est la place du droit, quelle est la place de l'État par rapport à ça, quelle est la place de l'ordre public, à partir de quand l'État peut-il intervenir dans les relations intimes, eh bien on va du sexe toléré vers le sexe illicite. Un exemple très rapide sur le sadomasochisme, qui est une pratique sexuelle autorisée, licite, et qui peut parfois tomber sous le coup d'une infraction pour coups et blessures volontaires, involontaire, si ça va au-delà, bien évidemment, de ce qui était recherché. Et le pivot central, là aussi, de l'existence ou pas de l'infraction, c'est le consentement de la victime. Donc il y a eu des arrêts au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir s'il fallait voir privilégier le droit à la liberté sexuelle, la liberté de choix, de choisir cette relation de sadomasochisme, ou s'il fallait faire prévaloir l'ordre public et une éventuelle condamnation de l'État au titre des coups et blessures. On peut aussi se poser la question sur la prostitution, par exemple. Exactement, notamment avec la réforme de 2016, qui vient supprimer le délit de racolage, mais qui en même temps établit, alors à partir de ce moment-là, une activité tout à fait légale, c'est-à-dire celle de se prostituer, alors que dans le même temps, elle fait de l'achat d'actes sexuels une infraction pénale. Vous voyez tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a donc une activité qui est légale, c'est-à-dire le fait de se prostituer, qui génère un acte parfaitement illégal et parfaitement réprimé, c'est la pénalisation du client. Alors, il faut dire qu'à ce jour, il y a eu pas beaucoup de condamnations et qu'elles restent, somme toute, on va dire... très symbolique. Et sur les questions un peu transgénérationnelles, notamment sur les adolescents, la sexualité des adolescents. Alors oui, on peut se poser un peu la question des limites, parce que parfois on se demande qu'est-ce que peuvent faire les adolescents en matière de sexualité. Les parents ne sont pas toujours au courant, et même les professionnels de santé parfois sont un peu démunis par rapport à ça et se posent des questions. Alors la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Les relations sexuelles, vous le voyez, entre un mineur de moins de 15 ans et une personne majeure sont interdites par la loi, même si le mineur est consentant, parce qu'on estime qu'avant cet âge-là, il ne peut pas donner un consentement clair et éclairé. Que les relations, par contre, sexuelles entre un mineur de plus de 15 ans et une personne majeure sont autorisées par la loi, sauf si le majeur est un ascendant ou une personne qui a autorité. Et une mineure peut se faire prescrire une contraception sans l'accord
de ses parents au regard de sa vie sexuelle. Et d'une adolescente peut également avorter sans en informer ses parents. Et en l'absence d'autorisation parentale, elle doit être accompagnée d'une personne majeure. Alors. Sur les personnes âgées. Oui. Le handicap aussi. Oui, je vais plutôt parler du handicap. Voilà, parce qu'il nous manque un peu de temps, donc on va. Et je voulais... c'est aussi quelque chose qui te touche. Oui, tout à fait, puisque c'est une matière que je pratique, enfin, des personnes que je côtoie au quotidien dans le cadre de mon activité relative aux préjudices et aux dommages corporels. La sexualité des personnes en situation de handicap, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas un droit à avoir des relations sexuelles. Alors. C'est la question des assistants sexuels. On sait que ça a fait débat et puis qu'il y a eu beaucoup d'écrits en la matière. C'est un combat pour l'accès à la sexualité, né d'une prise de conscience collective de la situation de grande frustration sexuelle dans laquelle peuvent se trouver une partie importante de la population des personnes en situation de handicap et en situation de dépendance. Et l'accompagnement sexuel a donc été pensé comme une réponse possible à cette souffrance. Cependant, vous voyez que le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé contre la reconnaissance d'un métier. Ce n'est donc pas autorisé en France. Et la mise en relation par la famille ou les soignants peut être poursuivie sous la qualification d'ailleurs de proxénétisme. Et la personne qui fait usage de l'assistant sexuel pourrait lui aussi être poursuivie pour l'achat d'actes sexuels. Une fois que l'on a dit ça, on a compris que ce n'est pas autorisé, mais quelles peuvent être les alternatives, puisqu'on en a beaucoup parlé. On a essayé de le justifier au regard de la vie intime, de la vie privée, pour, il y a eu beaucoup de lobbying là-dessus, pour faire passer cette notion d'assistant sexuel. Donc aujourd'hui, il faut penser au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme alternative, puisqu'il n'existe pas un droit aux relations sexuelles, que les assistants sexuels, ce n'est pas légal, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap? Alors, je n'ai pas moi-même toutes les réponses à vous fournir aujourd'hui, mais j'ai essayé de trouver quelques pistes au regard de mon expérience et également de ce qu'ont pu me dire les personnes et des lectures que j'ai pu avoir en la matière. Et j'ai pu comprendre que finalement, favoriser l'éducation sexuelle sans tabou et dès le plus jeune âge, notamment pour tout le monde, mais surtout aussi également pour les personnes handicapées elles-mêmes, pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles et se concevoir comme des partenaires à part entière. C'est alors qu'il faut aborder la personne en situation de handicap dans sa globalité, à tous les âges, afin d'envisager le meilleur accompagnement possible au cours des différentes étapes de son existence, aussi bien au point de vue affectif et sexuel, d'ailleurs, que relationnel. En outre, c'est vrai que les conseils, tout à l'heure Thierry nous en parlait, par les pères ayant vécu des situations analogues, eh bien, sont souvent précieux en la matière. Mais il s'agit également de mettre à leur disposition des aides techniques et humaines, sans aller jusqu'aux assistants sexuels, qui tiennent compte des difficultés dues aux déficiences. Et il est indispensable de fournir des aides pour qu'elles puissent eh bien, assumer également une parentalité à part entière et une vie de couple pour chacun des partenaires. Mais également déconstruire et réinventer les représentations du sexe, du handicap et des femmes et des hommes pour changer cette représentation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, développer des solutions techniques, même innovantes, existantes ou à venir, qui pourraient aider les personnes handicapées dans leur sexualité. Merci beaucoup Ingrid, c'est un sujet effectivement qui est passionnant et qui te passionne, notamment à la chaire. Thierry, avant d'accueillir Véronique Lecomte, qui est pharmacienne responsable de Vive Healthcare, et de passer aux conclusions, une dernière question, notamment sur les perspectives éducatives en 2030. Quelles vont être les nouvelles perspectives? C'est vraiment la conclusion. Sur ces perspectives que nous allons tous porter, nous allons vers certainement une dissociation progressive, où nous l'avons vu, la dimension plaisir, de la dimension de la reproduction génitale érotique, vers l'universalisme et l'enrichissement des valeurs culturelles. Nous y sommes confrontés comme beaucoup de pays européens avec l'accueil des migrants, à condition que l'on respecte les droits sexuels. On va vers une réduction des inégalités, pour l'amélioration de la santé sexuelle pour tous. C'est par exemple le rapprochement
de l'entrée dans la sexualité des garçons et des filles. La construction d'une culture ouverte et honnête où chaque individu est capable de faire le choix éclairé et responsable de ses relations. Et en fait, une approche globale. Et ce qu'il faut retenir, c'est les mots finaux. C'est en fait notre objectif à nous tous, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, c'est de favoriser une vie sécuritaire, autonome et qui soit satisfaisante. Les termes sont choisis. Ce n'est pas n'importe quoi de dire satisfaisant. Ce n'est pas une vie d'orgasme, de plaisir, d'amour. C'est satisfaisant. La satisfaction est propre à chacun d'entre nous. Donc, l'hygiène du langage, quand on aborde la sexualité, est extrêmement important si on veut toujours être là et accueillir les évolutions qui se passent chacun d'entre nous. Donc, j'en conclue ici. Les objectifs du développement durable nous ont contraints avec plaisir à envisager nos missions de la chaire, qui sont des missions de plaidoyer, comme ce soir, en formation continue, des missions de recherche que nous organisons avec la Fondation, mais avec l'OMS essentiellement, et l'université, et des formations, qui est l'autre mission de la chaire, dans laquelle vous savez qu'on a des diplômes universitaires que l'on porte avec Joël Mignot ici présent, et dont vous aurez les propositions tout à l'heure. On a été obligé de les revoir, de les revisiter à travers les objectifs du développement durable, tant dans leur programme, tant dans la recherche, que dans le plaidoyer. Et c'était l'objet de cette conférence inaugurale dans laquelle... Merci. Merci beaucoup Ingrid, merci beaucoup Thierry. Luc Lecomte, qui est pharmacienne responsable chez Vive Healthcare et qui soutient justement la fondation Paris Diderot. Véronique, est-ce que tu peux nous parler un peu de la responsabilité sociale de Vive Healthcare ? Nous sommes très très fiers chez Vive de participer à cette opération, de soutenir la fondation Paris Diderot sur ce projet. Nous sommes heureux et fiers, ça fait partie des priorités des laboratoires Vive Healthcare d'être présents en termes de responsabilité sociétale sur ce genre d'opération. Nous voulons surtout remercier très très vivement et féliciter le professeur Thierry Trossier et également Joël Mignot pour la mise en place de ce magnifique programme de cette conférence. Féliciter nos intervenants de ce soir pour cette magnifique première. Je pense que tout le monde va être tout à fait d'accord avec moi pour dire que c'est très très valorisant de pouvoir participer à ce genre de choses et à ce genre d'initiatives. Effectivement, ça fait partie de la responsabilité sociétale. Au niveau de Vive Healthcare, nous avons mis en place un département spécifique dédié à ce type de partenariat, à la mise en place de ce type de partenariat. Les équipes sont ici présentes et nous sommes heureux de pouvoir lutter au quotidien et être engagés au quotidien dans la lutte contre le VIH, bien sûr, parce que c'est notre spécificité à nous, mais également élargir le champ des possibles pour pouvoir être présents sur de nombreux autres type de partenariat et soutenir ce genre d'initiative. Merci encore à la qualité de nos intervenants ce soir. Merci également à la construction de ce magnifique programme et nous serons très heureux de vous accueillir pour les prochaines conférences. Et merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci. Merci beaucoup Véronique. Merci à tous d'être venus. Si effectivement il y a des gens qui ont effectivement des questions, alors juste, on va demander aux gens s'ils peuvent venir pour le coup, parce que ça sera un peu compliqué de venir avec le micro et encore plus si on souhaite filmer les gens. Merci encore, Véronique. Si vous avez quelques questions, pas beaucoup, nous attend un apéritif alsacien, Gare de l'Est. Avec et nous pourrons répondre aux questions aussi. Hein. Mais auxquelles on pourra après répondre aux questions. Mais est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser des questions, qui pensent qu'ils peuvent intéresser toute la salle et qui nécessitent peut-être une clarification ou une interrogation ou simplement un avis personnel, qui ne demande pas de réponse. Des questions ? Oui, alors si vous pouvez par contre venir, si c'est possible. Voilà, et juste aussi pour vous rappeler qu'il y a d'autres donc conférences, vous pouvez donc vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Il y a des conférences donc jusqu'à fin juin, et environ une par mois, sauf au mois de juin, où il y en a deux. Et vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site internet de la chaire de l'UNESCO. Bon. On attend juste que le monsieur arrive. Voilà, alors le monsieur est un collègue... d'expertise avec moi, Corbin Pierre, psychiatre. Merci d'être venu. Juste
un point qui n'est pas un point de détail. J'ai vu que tu parlais de besoins. Et comme Bachelard, mais je dis moins bien que lui, l'homme n'est pas un être de besoin, mais de désir. Et un désir impérieux n'est jamais un besoin. Voilà, c'est là-dessus que je voulais intervenir. D'accord. Merci. Je ne répondrai pas au psychiatre Bachelard et le feu qui nous anime à l'intérieur de nous et qui nous structure, Pierre. J'entends bien que la psychiatrie, la psychanalyse a son rôle aussi. Et besoin et désir, c'est vrai, peuvent être extrêmement proches. Et il y a une nosologie, une taxonomie des mots qu'il faut peut-être respecter. Tu as raison. Merci. Très bien, merci à tous. Alors, on vous le rappelle, il y a un Facebook Santé sexuelle pour tous et une chaîne YouTube. Vous pourrez donc revoir directement la conférence ainsi que les autres, si vous ne pouvez venir, directement sur cette chaîne YouTube.